Alors Laurence, enfin, oui, nous y on sommes. A réussi à se voir, Olivier, je suis ravie d'être là avec toi. Eh ben moi aussi. Et ben justement, on va pouvoir parler de ton spectacle. D'accord. Que tu as interprété magnifiquement depuis le tout début du festival. Ouais. Et donc qui s'appelle Les Dessous d'Aphrodite. Les Dessous d'Aphrodite, voilà, exactement. Alors et ben voilà, ce spectacle, alors je l'aime particulièrement, donc ça fait deux ans qu'il tourne, il a été créé il y a 2 ans. Et en fait dans ce spectacle, je me sers de l'humour pour traiter d'un sujet qui est encore tabou aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Je parle d'abus sexuels. Il est inspiré d'histoires vraies, il est vraiment très très documenté. J'ai travaillé avec des psychologues et des psychanalystes parce qu'il y a plusieurs notions, plusieurs concepts, comme par exemple le concept de savoir dire non, le respect de soi, etc. Voilà, que j'aborde dans ce spectacle. Et je voulais être sûre de ne pas raconter de bêtises, donc j'ai travaillé avec des professionnels. Voilà, c'est une véritable histoire du début à la fin, et là où je me régale, c'est que j'ai le plaisir d'incarner une vingtaine de personnages. Voilà, il y a plusieurs tableaux, que dire de plus, je l'adore, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, mais pas seulement, il y a aussi beaucoup d'émotions, ben voilà, tu as pu le voir. Et voilà, c'est un spectacle complet, c'est pour ça que ça me touche particulièrement. Est-ce que tu as déjà joué ce spectacle justement devant des assemblées de personnes qui étaient concernées vraiment directement par le sujet? Alors, on a eu l'occasion, en fait on a été contacté par le conseil général pour le jouer dans les collèges et les lycées. Et ça c'est vraiment super parce qu'on fait, en fait, on fait une intervention. Alors c'est ça aussi le festival d'Avignon, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de monde qui passe, qui tourne. Oh, ces gens sont fous. Et c'est pour ça qu'on adore être ici. Donc, je disais, en fait, on le tourne dans les collèges et les lycées. Ce qui est génial, c'est que le psychologue avec lequel j'ai travaillé sur le spectacle vient, et après le spectacle, on fait 1 heure de débat avec les ados, et ça c'est génial. Mais on le fait aussi, on a été notamment à Metz, où du coup là on l'a fait pour un large public le soir, comme une représentation normale, et on a fait après un débat. On est souvent appelé pour les journées de la femme, etc. etc. Et du coup c'est très chouette, parce que comme mon dernier tableau, ça s'appelle le groupe de parole, c'est le titre du tableau, ben, du coup juste après, pour ouvrir la parole et parler avec les gens concernés, ben voilà, c'est beaucoup plus simple. Je me souviens d'une intervention qu'on a fait, la dernière en date, on l'a faite à Blanquefort. Blanquefort, c'est à côté de Bordeaux en fait. Et c'était super parce qu'il y avait, donc c'était une représentation publique le soir à 21h et après on a fait un débat. Et il y avait aussi beaucoup d'acteurs sociaux. Alors soit des gens vraiment au contact du public concerné, soit effectivement des victimes. Il y avait aussi des avocats, et en fait du coup tout le monde a échangé et c'était très très riche parce que même les acteurs sociaux à l'écoute des victimes ont besoin, eux aussi d'en parler, de dire ce qu'ils entendent, ce qu'ils ne peuvent pas garder tout ça à l'intérieur d'eux et donc c'est très très chouette. Alors donc pour cette pièce, tu te sers bien de tes personnages anciens, alors en fait, je me suis inspirée dans mon premier spectacle qui s'appelait C'est qui, en fait. J'avais un personnage qui était une mairesse, qui s'appelait Agathe. Et c'est un personnage qui m'a, je sais pas, c'est un personnage qui m'a toujours plu. J'adore tous mes personnages, hein, mais j'ai beaucoup d'affection, je veux dire, pour tous mes personnages, mais elle, il y avait quelque chose de particulier. Et en fait, quand j'ai voulu écrire ce spectacle, je voulais écrire vraiment une histoire du début à la fin. Sachant que mon premier spectacle, c'était une succession de portraits de femmes très différentes les unes des autres. Alors là, j'avais vraiment envie d'écrire une histoire en entier. Et donc du coup, comme j'avais beaucoup d'affection pour ce personnage, j'ai décidé de commencer par ce personnage-là. Donc effectivement, un personnage qui devient, qui se présente à sa mairie, qui va être élu. Et je voulais parler en fait des dérives qu'il peut y avoir quand on est une femme et qu'on accède au pouvoir. Et qu'à ce moment-là, du coup, toutes les envies qu'on a se transforment et c'est le pouvoir qui monte à la tête. Et du coup, voilà. Donc j'étais partie là-dessus en fait. Et au bout du troisième tableau, sketch, si jamais vous venez voir le spectacle qui s'appelle ce qu'on appelle le sketch dans le noir, enfin, dis pas plus, au bout du troisième, donc ouais, au bout du sketch dans le noir, je suis tombée sur une page blanche, j'ai vraiment plus réussi à écrire. Donc quand je suis arrivée sur cette page blanche, j'étais en panique, donc je suis là, Marco, aide-moi, il me dit non, 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 non.
tu veux monter sur scène, tu veux raconter une histoire, eh ben vas-y, va chercher vraiment ce que tu veux dire. Je parlais d'une femme qui monte, qui arrive au pouvoir. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Si tu as une page blanche, c'est pas un hasard. Ok, d'accord. Et donc là, on était au milieu de rien, donc en Corrèze. J'embrasse aussi William Gipoulou, qui a le théâtre qui s'appelle l'Atelier des Artistes, qui nous a prêté ce théâtre pour cette résidence, en fait. Et donc là, vraiment en pleine nature, en pleine verdure, au bout de 2 jours, où moi, du coup, j'étais vraiment dans tous mes états, n'arrivant plus à écrire. Au bout de 2 jours, j'ai eu un flash et je me suis dit, mon Dieu, mais en fait, voilà de quoi je parlais. Je veux parler de ce qui peut arriver à une femme quand elle s'y attend pas. D'ailleurs, il y a un rapport très étroit avec ce qui se passe en ce moment avec l'affaire Denis Baupin, où en fait, il y a eu un témoignage d'une des femmes qui a été harcelée par ce monsieur Baupin, qui disait, mais en fait, moi, je me suis retrouvée subitement propulsée à une place où, du coup, j'avais des responsabilités. C'est à ce moment-là que je me suis fait agresser par Denis Baupin. Mais comme je venais d'avoir des responsabilités, je ne pouvais pas en parler parce que, en tant que femme, se faire abuser, ça veut dire être faible. Mais avec de nouvelles responsabilités, sa crédibilité en prenait un coup. Et c'est exactement, j'en dis pas plus, mais c'est exactement ce qui va arriver à mon personnage principal qui maintenant s'appelle Capucine Valoir. Et donc quand je me suis rendu compte que je voulais parler d'abus et notamment d'abus sexuels, j'ai fait un gros recueil d'informations avec donc Marco. C'est pour ça que c'est inspiré de l'histoire vraie et pour pas raconter de bêtises, j'ai donc travaillé avec psychologue et psychanalyste pour faire passer des concepts et plusieurs sujets qui me semblent importants parce que c'est encore tabou. Voilà. Alors que ça touche l'abus sexuel 81% de la population. Oui, messieurs, dames, 81%. Dans les 81%, ça va du harcèlement au viol collectif. C'est très large, c'est des degrés différents, mais c'est 81%. Par contre, il y a des chiffres qui sont monstrueux. Il y a un viol, alors femme, homme et enfant, malheureusement, il y a un viol toutes les 40 minutes en France, pour ceux qui en parlent. Oui. Donc, imaginez le véritable chiffre, parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de monde qui n'en parle pas, quoi. Il y a très très peu de gens qui en parlent. Je reviens exactement au même. Voilà, il faut parler. Et ce spectacle est là pour ça. Ce spectacle, donc, tu le joues donc sur Avignon. Oui. Et par la suite, est-ce que tu as déjà d'autres dates prévues ? Plein. Alors, il y en a déjà plein, c'est ça qui est très très chouette. Pour les prochaines dates, le festival se termine le 30 juillet et je joue le 5 août à Lacano. Dans un festival, alors là, j'ai le plaisir d'être la marraine d'un festival qui s'appelle Les Vagues de l'Humour à Lacano et ce sera la 3e année cette année. Et je clôture le festival avec le spectacle. Voilà. Ensuite, petite vacances parce que du coup, après le festival d'Avignon et le festival de Lacano, une petite temps de pause et après, je rattaque dès la fin août, un petit peu partout avec des jolis projets. Je suis sur d'autres pièces aussi, mais l'objectif de cette année, c'est vraiment faire tourner un maximum ce spectacle par rapport à ce qu'il défend et par rapport à l'impact qu'il a sur les gens. Parce qu'on a vraiment des retours et des témoignages qui sont vraiment très poignants une psychologue, la psychiatre avec laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Roxane Petit, dit ce spectacle. Voilà, on l'a cité parce que j'ai trouvé ça très très chouette. Voilà, exactement, allez sur le play. Une journaliste a dit la même chose, elle a dit que ce spectacle était un spectacle d'intérêt public. Donc là, du coup, j'ai pleuré. Non, mais ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Parce que vraiment, on n'en parle pas, parce que c'est tabou et parce qu'il y a encore des a priori et des préjugés qui existent. Et donc, voilà quoi. Il faut que tu fasses sauter ces préjugés. Exactement. D'autres collaborations en vue, peut-être, non ? Avec d'autres artistes. Tu as parlé tout à l'heure de Marco. Marco, c'est avec lui que j'ai créé le spectacle. Et la dernière mise en scène est de Marlène Noël. D'accord, oui. Marlène Noël, qui est une femme formidable avec laquelle on a travaillé beaucoup sur la douceur et la tendresse des personnages. Parce qu'il fallait bien tous les colorer, tous ces personnages, pour bien les dissocier. Et après, je me laisse porter. Là, le bébé est arrivé à maturité. Donc, du coup, sur ce projet, je ne sais pas si j'aurai l'occasion. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas forcément prévu maintenant, tout de suite, de travailler avec d'autres personnes sur ce projet. Mais moi, je raffole de projets dans tous les sens. Donc c'est tout à fait possible qu'il se passe plein de choses dans les semaines et les mois à venir. C'est
c'est aussi pour ça qu'on est là à Avignon, pour rencontrer du monde. Donc, écoutez, venez voir le spectacle et on pourra en parler après.